Bonjour, bienvenue au GAEC Vendée-Loire. On est situé en Vendée, au nord de la Vendée, à Saint-Philbert-de-Bouesnes. On est deux associés sur une exploitation laitière, en gros 150 vaches en moyenne, sur 240 hectares de terre. On fait des cultures, du blé, 40 hectares de blé, 20 hectares d'orge, 50 hectares de maïs et le reste en herbe. La réflexion de la méthanisation, on l'a eu il y a 7 ans maintenant, 7-8 ans. Donc pourquoi la méthanisation? C'était diversifier le revenu et on se disait que c'était valoriser les effluents de l'exploitation quoi, en faisant de l'énergie propre. On a travaillé donc il y a 7-8 ans de ça avec un conseiller indépendant qui travaille lui-même pour Valogreen. Il y a 7-8 ans, il y avait très peu de constructeurs qui s'ouvraient sur la petite méthanisation. Parce qu'aujourd'hui, on a 100 kg ici, donc c'est vraiment la petite méthanisation que pour l'exploitation, quoi. Et il y a 7-8 ans, il n'y avait que 2 ou 3 constructeurs en France qui travaillaient là-dessus, quoi. Donc on s'est tourné vers Valogreen. Alors pourquoi Valogreen? C'est déjà le premier abord avec les deux responsables, que ce soit Thomas ou Xavier. Qui a bien passé quoi, c'est deux personnes sérieuses. Ouais, compétentes. Et compétentes. Donc on a choisi de travailler avec eux quoi. La méta est en route depuis juillet 2018. Et depuis on est très content du résultat. En gros on passe une heure par jour dessus en moyenne. La rentabilité horaire est très bonne quoi, ce qu'on peut dire aujourd'hui quoi. Donc on est très content d'avoir investi dans la méthanisation. Ce qui me vient à l'esprit le plus vite et le plus rapidement, c'est la rentabilité du travail, l'environnement. J'estime qu'on produit de l'énergie propre, donc c'est bien quoi. Aujourd'hui, on a la méthanisation d'un côté et on a aussi des panneaux photovoltaïques. Donc on est plus producteur d'énergie que de consommateur quoi. Ouais, puis même le sol, les effluents, le digesta, c'est très bon pour les cultures. La variation des effluents sur les cultures est importante quoi.